Voici un type de stack lead. Vous savez, il y a fort à parier que le poker est un jeu de chance. De hasard. De hasard, dirais-je même. Mais l'expérience et le savoir-faire en est pour beaucoup. Parlez-en à Pierre qui se fait ramasser le pissoin depuis tout à l'heure. Que voulez-vous? Je dois ma technique à nul autre que Régent Thibaudeau. De retour après la pause, nous vous expliquerons comment perdre tous ces jetons contre un dommé. Et on est présentement avec M. Carl Michaud, un joueur qui a beaucoup d'énergie. M. Michaud, comment ça se passe jusqu'à présent? Je dirais que juste avant le break pour le add-on, ça allait vraiment mal. Tout a tourné suite à cette pause-là. C'est souvent ce qu'on dit dans le monde du poker. Ça prend une pause pour que ça revienne. Et c'est effectivement très bien revenu. Ça a mis un plus, le petit break, un petit peu d'énergie à la table. On a du plaisir parce qu'on avait des joueurs vraiment bizarres. Il en reste un d'ailleurs. Et en vous parlant de joueurs bizarres, j'aimerais vous présenter notre ami Pierre que l'on surnomme Houdini. Bonjour, M. Pierre. Avez-vous un commentaire pour nous sur Zoom Sport? Moi, je suis présentement un magicien. Normalement, je ne peux pas toucher aux cartes, mais là, j'en ai mon jeu de cartes pour vous autres. Je vais demander à mon ami de. Je vais demander à mon ami ici présent de prendre une carte et de la montrer à la foule. Excellent. Maintenant, regardez bien, on va la mettre à l'intérieur du jeu de cartes ici et on va pousser ici. Comme ça ici. Et là, vous avez remis la carte? Ta carte est revenue sur le dessus. Ta carte, c'est le 9. Non. 9? Non. Ce n'est pas ça. Quelle était votre carte? La dame de pique. Regardez bien. On souffle. Ce bougre! Super! Ce bougre. Yeah! Quel joueur magnifique! Est-ce que je peux vous poser une petite dernière question? Allez-y. On est juste entre nous autres, là. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut savoir vos stratégies pour pouvoir gagner le match? Ah, mais tout le monde à Québec connaît ma stratégie. Je suis la grande gueule de Québec, au poker surtout. Et puis, tout le monde prend plaisir à me caller parce que tout le monde dit « Ah, Michaud dit de la merde. » Alors, je continue ma stratégie et ça marche, fold. Et grâce à ça, voyez-vous, Pierre a fait une erreur et c'est lui qui a fait ce qu'on appelle, qui m'a construit mon stack. Il m'a donné la moitié de ses jetons parce qu'il pensait que je disais la merde, alors ça reste ma stratégie. C'est une excellente stratégie, on vous souhaite bonne chance, puis je vous jure, on va vous regarder aller. Ah, merci. De retour à l'envoi public. Ah, vous êtes là. J'étais à penser en regardant le majestueux fleuve Saint-Laurent. De me dire, mon Dieu, que le poker est un jeu palpitant. Vous savez, les cartes, les jetons, plein de choses comme ça qui fait que ce magnifique jeu est un jeu de passion et d'entrain. Alors, je vous dis, demain nous allons expliquer aux joueurs débutants comment faire de l'argent en jouant à d'autres choses que les cartes. À demain.